Bonjour à tous, chers joueurs. Bienvenue sur cette vidéo numéro 8 concernant toujours EasyBot GRP sur la roulette 3D Driva. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui sur cette vidéo 8 que dans certaines circonstances, on peut jouer aussi des pièces de 50 centimes. Alors, on va voir ça tout de suite. Voilà, donc toujours pareil, mode réel, comme d'habitude, hein, on l'a vu au départ. Alors, on vire la sécurité, comme d'habitude. Vous allez voir que là, on va vadrouiller assez rapidement entre l'onglet groupe, l'onglet paramètres, afin de pouvoir vraiment jouer au plus juste des écarts. Hein. Donc positionnement du bot comme d'habitude. Là on part pour une partie de 20 euros. Alors, le principe est toujours le même. Hein. Si l'écart en cours correspond à peu près au nombre de spins, ça veut dire qu'on va aller sur des écarts assez importants. Par contre, si on stack en écart en cours à 17-18, à ce moment-là, on va pas rester à 24 en écart, on va plutôt descendre à 18-20, voilà, suivant ce qu'on va observer. C'est beaucoup d'observations, de toute façon, beaucoup de ressentis, toujours, je le répète. Pas prendre la roulette comme un amusement, mais plutôt comme un travail. Tout du moins quand vous jouez en réel. Voilà, c'est parti. Donc le plus long, c'est toujours d'avoir le nombre de spins qui correspond. Hein. Donc il faut 2 petites minutes, c'est pas non plus la mer à boire. On vérifie les corps en groupe, on a 17. Donc l'écart en cours est quand même inférieur au spin, donc on va plutôt avoir tendance à être dans des écarts inférieurs quand même, tout du moins pour un certain temps. Donc quand on joue sur des écarts inférieurs, bon ben c'est pas la peine de faire 7-8 tours. Puisque si vous partez sur un écart de 18 pour 7 tours, vous n'arrivez quand même qu'à 25, ce qui est encore un écart inférieur par rapport à l'écart qu'on peut avoir en maxi. En maxi, on est quand même à 43. Bon, si vous suivez cette série de vidéos, vous devez gagner le prix du bot en 2 séances. Hein. Je vous démontrerai ultérieurement sur des vidéos avec des mises plus importantes, avec un temps un petit peu plus important, on passera à 20 minutes et vous verrez que le prix du bot sera amorti en 1 voire 2 séances maximum, suivant les séries. Une si on a des bonnes séries et 2 si on a des séries moyenne, quoi, qui ne nous permettent pas de jouer comme on voudrait.
Voilà, on se perd la première. C'est pas grave, on s'affole pas pour 9 euros. Donc là, on ne monte pas les écarts, les tours, puisque on est sous les écarts inférieurs. Hein. On gagne 7-6 au troisième tour. On n'est plus qu'à moins 7. On regarde l'écart en cours. On part à 27. Là, on est sur des écarts un petit peu plus forts quand même. Hein. On est à 28. Sur les écarts de 29. Alors qu'on a des séries qui remplissent bien le tapis, je dirais, on va pouvoir se permettre de jouer des 50 centimes. Alors, si on tombe sur la série où on joue que quasiment une colonne et deux numéros ailleurs, c'est pas forcément évident de jouer les 50 centimes. Hein. On n'a pas une belle répartition sur le tapis. Là, on augmente l'écart. Ouais, déjà reparti sur un tour. Voilà, on va mettre 50 centimes en piquant la souris vite fait. On a remis 10 centimes parce qu'on est sur des écarts bas quand même. Voilà, on va repartir sur un écart important, enfin un peu plus important. Là, vous allez voir, ça va être très rapide. Alors on fait dans certaines conditions, il faut que certaines conditions soient remplies. Une série qui répartit quand même bien les mises sur le tapis et un écart assez important, un écart qui va vers les 30. Hein. Quand on est à 27-28, on peut commencer à jouer des 50 centimes. Mais ça, je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes. Je le répète, c'est pas grave. Si ça peut vous aider, cette série de vidéo, c'est très bien pour moi. Le principal étant que les clients soient satisfaits. Donc 14,40€, une demande de 20. Hein. On a un écart en cours de 25-26. Voilà, la dernière, ça a été très vite avec des 50 centimes. Voilà, 25,90€ pour 20 demandés. Donc vous voyez, ça peut aller très vite avec des 50 centimes. Encore faut-il les jouer judicieusement, pas des écarts inférieurs et pas. Voilà, il faut déjà étudier le jeu, voir comment le jeu se déroule et décider après de jouer des 50 centimes. Donc de toute façon, vous aurez d'autres vidéos derrière pour vous aider. Voilà, écoutez, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt, bon jeu, bon gain surtout, et surtout gardez la tête froide.